Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de Under the Dome. La dernière fois, on était dans le café. On a 5 leviers, il nous en manque 2. Où est-ce qu'on n'est pas allé encore? Là-bas, là. C'est quoi ce truc coloré? Donc, dans cette rue, on a fait tout sur la longueur. L'église, il y avait bah, le petit truc secret. Ici, ça, c'est quoi? C'est un bar. Un peu chelou, ce bar. Ah, si, on mange et tout, les parasols et tout, c'est plutôt bien fait. Alors, Do you Sarah. happen to have any lovers? I'm sure I can find one, but we are really low on milk. Could you get a bucket from the freezer out back and fill it up? Sounds good. I'll go back and milk my cows after checking some more spots in town. Ok, donc elle a besoin de lait. J'ai déjà un seau. Mais si je dis pas de bêtises, dans le café, j'ai vu des seaux de lait direct. Ah, mais je dois pas pouvoir les récupérer. Donc j'ai déjà un seau. Parce que ça doit être bloqué, on peut pas passer derrière le comptoir. On a nos vaches dans notre ferme. On va récupérer le lait. Pum, 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 pum. Pum. On va te traire la vache. Ouais, d'ailleurs, il dit ça. Hein. I will unmilk my cow. Mot à mot, ça veut dire je vais. Ça se dit pas l'été, mais prendre le lait de mes vaches, mais du genre en mode grosse action, quoi, tu vois. Alors qu'en France, on dit traire les vaches. Il y a un mot en plus. Le vocabulaire français est quand même beaucoup plus riche que le vocabulaire anglais. Pour dire une même chose, on peut le dire de 50 milliards de choses différentes. Et c'est plutôt sympa. Donc, on va ramener, pardon, le petit seau de lait. Avec besoin de lait. Hey, j'ai encore du speed, hein, c'est bien ce qui me plançait. C'est bien ce qui me semblait, pardon. Here is that lever you wanted. Ok, Good luck. 6 leviers, il nous en manque plus qu'un. Donc en fait, on peut obtenir beaucoup plus de leviers que ce qu'on a besoin. Je vais essayer de tous les obtenir, je pense que ce sera plus sympa. Donc on a fait tout à droite, à gauche, ici c'est fermé. C'est des maisons classiques. Peu de speed. Ici c'est fermé. La banque c'est fait. Ah, la banque c'est ouverte. Ah, elle est ouverte que le jour. Nice. Hey I know Dan. you need a lever, and well, the bank is broke. If you need a lever so bad, take this sword and rob the gas station down the road. No one will ever know, as long as you kill Roger. Oh merde. It has to happen, I suppose. Le banquier qui nous dit d'aller tuer Raja avec la musique et tout. Hey. Oh merde, c'est trop bon. Donc la banque nous a dit bah on a plus de thunes, c'est la dèche, il faudrait que tu ailles braquer la et comme d'hab c'est toujours l'étranger qui crève hein, tu sais. Ah bah bravo! No one will ever know. Good spirit. J'ai mon septième levier, c'est cool. Oh les petits parloirs. Personne ne saura jamais. On va continuer d'explorer un petit peu cette ville, malgré que j'ai mes 7 leviers. Je suis censé en avoir 7. Après, on ira démarrer le générateur de secours. On a les stops. Ok, ici, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Mais je pense qu'il n'y a rien dans les autres maisons, hein, perso. Les chiottes. C'est bien, on entre chez les gens comme dans un moulin. Le garage. Elles sont plutôt sympas, ces maisons. Moi, je trouve qu'elles sont pas trop trop mal faites. Donc cette rue c'est terminé. Je pense qu'il reste que, ouais, que des maisons. Donc on a bien nos 7 leviers. On va essayer de passer sur la rue parallèle. Donc il y a la Coal Factory qui est ici. Attendez. Ah non, c'est des autres maisons ici, oui. House 2. On peut y rentrer là-dedans. Il y a un zombie. Qu'est-ce qu'on a? Oh, je savais pas que quand on ouvrait un coffre, ça ouvrait le truc au-dessus. C'est pas mal ça. J'ai jamais tilté. Des potions de speed, non? Non, non? Non, j'en ai assez apparemment. Il me semblait bien. Il me semblait pourtant que le créateur de la map aimait bien cacher les potions de speed. Et ensuite, on a notre ferme et je crois qu'il y a. Il y a un petit truc derrière quand même. J'ai envie d'aller voir. Ici, on a vu. Bah, après, il reste plus que la coal. Factory.
Il y a un petit truc derrière notre ferme. Je sais pas si on peut y accéder par ça là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les étables! Oh! Un arc avec des flèches. Ah, j'ai perdu ma méga épée. D'accord, très bien. J'ai pas de sel par contre. C'est le seul truc qui me manque. Bon bah, donc du coup on va à la Coal Factory. On va essayer de mettre ses leviers et de redémarrer le générateur. Donc ouais, la banque est fermée la nuit, c'était plutôt bien fait. Allez, Coal Factory, c'est ici. On a de la patate là, si on a faim. Champ de patate, on est dans le Montana ou pas? Pom pom pom. No trespassing. Bah si, trespassing. Ok. Ah, voilà, on a tous les générateurs. Il disait coal mine, mais je pense que c'était coal factory en fait. Ok, l'élévateur a open. Je regarde s'il y a des trucs là-dedans. Ouais. Ah merde. Elle est bien abandonnée, hein. Il reste pas des. Non. Il n'y a pas l'air de rester de coffre. Donc, l'ascenseur est dispo. On va aller dessus directement. L'élévateur est par là. Elevator, shaft. Ok, on est dans la mine de charbon. On ouvre un peu les trucs. On a chopé du charbon. Start mine track. Let's go! Nice! Qu'est-ce qu'on doit chercher au fond de la mine? Left shift to get out, ouais. Ok, on se retrouve au fond de la mine. Il va y avoir des aliens ou pas? Merde, je suis tombé. Il faut remonter. Il y a un petit parcours pour aller en face. C'est la seule façon, je pense. Merde. Il faut que je shift en arrivant. Un petit parcours à l'ancienne. Bah, je suis con. On n'est pas sous speed. Ça ira mieux si on est sous speed. On peut aller là-bas. Qu'est-ce qu'on a ici? Apparemment rien. Attendez. Ouais, ce que je disais. Ah oui, on peut remonter par là. Putain, j'essaie de remonter en face à chaque fois. Quoique, on est peut-être obligé de passer par là où je suis allé. Je vois bien. Oui, pour arriver là-bas, on est obligé de passer par là. Oh non, non, non! On peut pas casser ça, je me suis loupé. Il a l'air pas trop mal ce parcours. Donc on est obligé de monter au-dessus et on va atterrir là-bas et ensuite on saute. On va y arriver les gars, on y croit? Pas du tout. Je suis toujours aussi bon en parcours. Tudu-pou-pou. Allez, on monte. On passe là. Passe là. Wow! Ça s'est étendu. Ok, on est arrivé ici. Ah, ça c'est pour téléporter quelqu'un quand on est à plusieurs. Téléport to the police station. Ah, téléphone qui sonne. Did you find a way out in the coal mine? No, but I did find an old pickaxe. Maybe it could break a weak spot in the dome. I mean, oh, just the spot. I found a crack in the dome, but first, you are going to want to see this.
Come back up to the police station. Donc on a trouvé une super pioche. Le shérif nous appelle pour nous demander si on a trouvé un moyen de sortir. Ah oui, donc le dôme là-bas en profondeur. Beacon et tout. Ah non, c'est pas du beacon, c'est des trucs de guardian. Et le shérif, donc on dit au shérif qu'on a trouvé une super pioche, mais il faudrait trouver un point faible dans le dôme. Et lui nous dit, ah j'en ai peut-être trouvé un, reviens vite à la police station. I found a zombie-like creature wandering the streets. It's in the cells to your left, if you would like to check it out. Whatever it is, it must have something to do with the dome. That is really weird. I will keep a lookout for any more, but where is the weak spot in the dome? It is at the end of Chandel Street. I will meet you there. Ok, donc il nous dit qu'il a découvert un zombie dans la rue, c'était chelou, donc du coup il l'a enfermé dans la cellule. Nous on dit, ah c'est chelou, et puis on demande où est-ce qu'il est... Qui est le Chandel Street, c'est ça. On lui demande où est-ce que le weak spot. Il a dit c'est au bout de Chandel Street. Je te retrouve là-bas, donc on va au bout de Chandel Street qui est ici. C'est là-bas en face. Quelle va être l'intrigue? Le shérif est là. Hey shérif. Ah, le weak spot est là. Look, it worked. Oh god. More of the zombies. Quick, kill them, then get some wood from the forest by the dairy bar to patch this hole up. We can't let them in. Ok, donc vite, des zombies, il faut les buter. Et il nous a dit d'aller chercher un... Ok, donc c'est pour reboucher, c'est pour éviter que les zombies reviennent. Faut qu'on aille choper du bois. Ah, et là on peut pas passer pour l'instant, ouais, c'est fait exprès. Dude, je veux juste du bois. Attends. By the dairy bar. Ok, faut qu'on revienne. On peut pas passer là pour l'instant. Dairy bar, c'est ça là-bas, il y a la forêt à droite, on va chercher du bois. On va chercher du bois pour reboucher, j'ai l'impression. Connerie comme ça. Pourquoi il y a des zombies d'un coup? Ok, on a du bois là. Juste prendre un arbre, ça suffit. J'arrive, mon shérif. S'il me reste tu. Pourquoi ils nous ont pas laissé l'épée en diamant pour tuer Raja? Perfect, voilà. That will hold them off. Now, I need you to check out something. I have reports called in that zombies have been coming out of house number 2 on St. Robert Street. Ok, donc là, on a fermé le truc. Apparemment, il a un report comme quoi les zombies viennent de la maison numéro 2 sur St. Robert Street, qui est la rue parallèle. Donc c'est la rue qui est à droite, il me semble. Donc on va aller voir la maison numéro 2. Ça doit être ça, Saint Robert Street. D'un coup il y a des zombies. Saint Robert Street. House number 2. Ah, ça s'est ouvert. Nice, c'est là où on était tout à l'heure. What the fuck? Attendez. Donc apparemment, message du président, il a ordonné le projet d'homme, les zombies ont pris le contrôle du monde. Docteur K, c'est à vous de trouver une... Ah, faut placer 3 items pour les cures. Donc il y a... C'est quoi? C'est potion de weakness, golden apple. Il me semble que c'est ça. Attendez, on va... Oh, oh merde, ça l'a avalé, mais je suis pas sûr que c'était ça. Quick, I need help. There has been a zombie apocalypse and that is why the dome is around us. The government has tried to protect me as I have almost found the cure, but some of the test subjects have escaped and infected me. I do not have much time left,
Read the book found in the chest. Get the three items to find the cure. Ok, donc voilà, lui, il a été envoyé là pour sauver le monde de l'apocalypse. Ils ont essayé de le protéger. Certains des sujets de test sont échappés, ils l'ont infecté, c'est pour ça qu'il est comme ça. Ok, et il faut trouver le remède, il faut lire le livre qu'il nous a donné. Ah oui, c'est ça! Donc, Sponge, c'est au fond des lacs, rivières et océans. Blaze Rod, donc ça c'est derrière la Water Tower. Acacia Wood, et c'est derrière le Derry Bar. Alors, on a plein de popos qu'on va prendre. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? Poison 2, on va éviter. Fire Resistance, ça peut être pas mal. Ça, on va virer pas mal de choses à vrai dire. Charbon, pas besoin, ça pas besoin. Qu'est-ce que j'ai mieux? Speed, Régène et Speed. La Régène peut servir maintenant qu'on a des zombies. Faire attention. Ça, on s'en fout, ça on va garder. Donc voilà, il faut trouver une éponge. On va chercher l'éponge, je sais pas avec quoi on peut la ramasser. J'ai mis une pomme d'or parce que je pensais que c'était le cure classique. Un cure classique, c'est potion de weakness et pomme d'or, tout simplement. Et on peut accélérer en ayant un lit à côté ou un truc comme ça. Donc l'éponge, je pense, elle est au fond du lac. À quoi ça se ramasse une éponge? Avec une pickaxe? Ou une hache? Peut-être une hache. On a un casque respiration. L'éponge est là. Avec une pelle peut-être? Oui. Merci, l'éponge est bon. Ensuite, Blaze Rod. C'est dans les bois derrière la Water Tower. Ok, ici. On n'a pas laissé une... Non. Dans les bois, il y a une petite... une petite cabane, c'est ça. Elle est bien cachée. Nice, on a notre Blaze Rod. Sympa. Et la dernière, il n'y en a qu'un seul, c'est dans les bois derrière le Derry Bar. Il est plus loin. Là, il y a la Coal Factory. Donc on fasse tout le tour. Il est plus loin. Speed, on a encore 55 secondes, donc ça va. C'est les bois juste derrière le bar là. Tout à l'heure on est passé le long. Essayez de passer par là. C'est un acacia, il n'y en a qu'un seul. Faut trouver. Où es-tu acacia? Je suppose qu'il est tout en haut. Il est là. On a juste besoin d'un. Acacia Wood! Eh ben c'est parti, on a le cure! On va lui amener. J'ai placé une pomme d'or, j'espère que ça ne va pas niquer le process. Puis on passera en game mode s'il y a besoin. C'est sur la rue d'après. Plus de speed. Du speed. Non, c'est par ici. Alors, éponge, blaze rod, acacia wood. I think it is working. Ah bah non. Ah si, nice. It worked. We have to get this throughout the world. Ah! Oh merde. Ray, rock and roll. OMG, c'est quoi cette musique? Stop! Bon, ben on a fini la map. 40 minutes, hein, plutôt que 1 ou 2 heures. Bien sympa en tout cas.
Petite aventure sympathique, hein, comme je l'ai dit, je ferai plein de petites séries comme ça pendant l'été sur des petites maps courtes. J'ai beaucoup aimé perso, le design et tout a été cool avec une fin sympathique, mieux que l'autre. Alors je sais pas dans quel ordre je le diffuserai, mais avec une fin plutôt sympathique. Donc non, c'était cool. Ah, excellent, on voit bien le dôme là. On voit bien le dôme avec le vert. Ça, c'est les mines, je crois. Ouais, c'est ça. Hey! On n'a pas vu ça. Il y avait un truc ici caché. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. On n'a pas vu. Il y a des trous un peu partout. J'aime bien voir les maps après. Ouais. Ici, c'est des hoppers, c'est de la gestion de trucs. Bah écoutez, voilà, c'était plutôt sympa. Ça, il y avait quand même un bon rappel à la série, même si je crois pas qu'il y ait de zombies, si je dis pas de bêtises. Ah, il y avait tout un magasin par là. Qui est pas complet. Et c'est dommage, là-bas je pensais qu'on aurait pu accéder aux maisons ici derrière le dôme. Mais en fait non, on peut pas, elles sont juste décoratives. Mais il n'y a rien dedans. Ok, mais sur ce, écoutez, je vous dis à une prochaine les gars. Ciao ciao ciao. Oh lui il roule sur l'or. Ciao 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 ciao.